On frotte la nuque. Commence toujours par échauffer les parties sensibles au niveau des cervicales, des épaules et des lombaires. Je rappelle qu'en pilates, on respire avec les poumons, donc une respiration haute, on n'utilise pas l'abdomen. Je frotte en remontant le long de ma nuque, des épaules vers le crâne. J'incline la tête à droite, je m'arrête au trapèze gauche. Changement de côté. Main sur épaule, rotation des coudes vers l'avant. Inspirez avec les poumons, soufflez. Inspirez, soufflez. On veille à ne pas cambrer les lombaires. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Gardez les mains sur buste. J'incline côté droit. Je tourne côté gauche. Laissez accompagner le mouvement. Revenir. Inspirez. Soufflez. Gardez les genoux pliés. Inspirez. Encore une fois vers la gauche. Laissez tourner les hanches et les épaules, accompagner et revenir. Inspirez, une dernière fois à droite. Et revenir. Je replace mes mains au niveau du buste. Poussez vers le bas, soufflez. Inspirez, les genoux restent pliés, les abdos bien nés. Poussez vers le bas, soufflez, remontez les bras, inspirez. On garde les bras en l'air. On déhanche à gauche, tirez les bras à droite. Première face, doucement, inspirez, inversez. La main gauche attrape le poignet droit, déhanchez à droite, tirez les bras à gauche. Encore une fois, inspirez, soufflez. Revenez. Les genoux restent pliés, déverrouillés. Les épaules restent bien, face. Et je reviens. Je redescends les mains sous le nombril, à droite, et je descends à gauche. Dans le sens du côlon. Bien appuyé avec les paumes de main. Frictionnez les lombaires. Hauteur. Et profondeur. On replace les mains sur les fesses, on frictionne l'arrière des jambes, les pieds sont parallèles, largeur de hanche. Inspirez en montant, soufflez en descendant. Veillez à bien descendre les fesses au niveau des genoux. Les talons restent bien à plat au sol. On reste en bas, on repose les mains devant chaque pied, paume de main à plat, les genoux pliés. Inspirez, poussez sur les mains et les talons, soufflez. Cherchez à tendre les genoux. Pour les plus souples, déportez bien le poids de corps en arrière sur les talons. Revenir au milieu, plier. Inspirez, avalez bien les abdos, le bas-ventre notamment, nuque relâchée. Soufflez. Revenez. Je me mets en appui sur la jambe droite. Genou plié. Je lève le pied gauche. J'écarte le bras droit. Je stabilise. Écarte le bras gauche. On tient à peu près 4 secondes. On repose main au sol. Changement d'appui. Inspirez. Levez le pied droit. Écartez le bras gauche. Écartez le bras droit. Je repose main droite. Main gauche. Pied droit. Je descends accroupi. Si vous ne pouvez pas tenir les pieds à plat, vous décollez les talons. Vous pouvez en avoir les mains en appui au sol. Doucement, on remonte. D'abord, position intermédiaire. Ne jamais remonter brutalement. Le dos est plat. Dos rond soufflé.
plat inspiré. Je tourne l'épaule gauche vers le pied droit. Gardez bien les fesses au centre. Souvent, on a tendance à laisser tourner les fesses. Non, les fesses restent au milieu. Revenir au centre, inspirer, inverser, épaule droite vers le pied gauche. Milieu, remonter, doucement dérouler. Alors, on lève la cuisse droite, main sous cuisse, inspirer. Le genou gauche d'appui va rester plié. Extension avant, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. On tient. Pliez. Si vous êtes chez vous, vous avez du mal à tenir l'équilibre, je vous rappelle que vous pouvez prendre une chaise à proximité pour prendre appui, ou un bâton, ou un balai, une table, un meuble. Je tourne doucement le pied droit dans le sens des aiguilles de la montre. Je repose le pied sur le genou, la cheville. Je descends et je ramène l'abdomen contre les cuisses. Stabilisez votre posture, toujours sécurisée. Aplatir le dos. Je serre les abdos, je pousse les fesses en arrière. Pour remonter, la main droite tient le pied, la main gauche tient le pied droit. La main droite en appui sur le genou. Doucement vous déroulez en restant bien plié sur le genou gauche d'appui. Une fois qu'on est revenu, on repose le pied au sol, on assouplit la cheville gauche. Je lève maintenant la cuisse gauche, inspirez, tente de souffler, c'est parti pour 4 fois. Inspirez, les abdos gainés, soufflez, le pied bien flex. Pliez, inspirez, tente de souffler. Encore une fois, inspirez, tente de souffler. Doucement vous repliez. Essayez de maintenir le genou au niveau de la hanche. Maintenant, vous placez la main droite sur le ventre, la main gauche en bas du dos, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Je remets l'espace. Je rappelle que le genou doit rester face à la hanche. En aucun cas, ne zigzaguez avec le genou sur les côtés. Toujours rester bien face. Vous devez utiliser les muscles rotateurs de la cuisse, vaste interne, vaste externe. On pose la cheville sur le genou, on descend. Toujours les abdominaux gainés. Enveloppez le pied et le genou avec les bras. Pour remonter, on stabilise. On tient le pied. On prend appui sur le genou. Et doucement, on remonte en déroulant. On rétablit le gainage et on repose le pied au sol. On assouplit la cheville. Alors, ici j'ai un tapis. J'ai des accessoires à proximité. Nous aurons besoin d'un petit ballon paille mou. Pour les gens qui ont des problèmes de nuque ou des problèmes de lombaires, si vous avez un coussin qui peut être utile pour caler la nuque ou les lombaires, c'est très utile. Sinon, vous pouvez aussi avoir besoin de ce qu'on appelle une brique de yoga. Éventuellement, une planche en mousse, type planche de bricolage. Alors, pour commencer, on se met à une extrémité du tapis. Les genoux sont pliés, parallèles, j'inspire, on enroule le buste, on repose les mains devant les pieds. Donc si vous avez des bras trop courts, vous pouvez utiliser la brique pour placer vos mains sur la brique, tendre les genoux, d'accord? On plie les genoux
Inspirez. La nuque est relâchée, les abdominaux. Poussez, soufflez. Et maintenant, je vais garder les talons au sol le plus longtemps possible. Avancez avec les mains. Gardez les genoux tendus. Toujours amener les épaules au-dessus de chaque main. On maintient la posture. Puis doucement, les pieds s'avancent. Dès que possible, les pieds à plat, les genoux tendus. C'est très important de toujours maintenir une souplesse de la chaîne postérieure. Hein, la chaîne postérieure, c'est ce qui va des chevilles qui remontent au niveau du bassin, également l'arrière du dos jusqu'à la nuque. Puis vous repartez les pieds en arrière. Pareil, genoux tendus. Les épaules restent au-dessus des mains. En aucun cas, vous ne devez avoir le dos creux, ni le dos rond. Le dos est à l'horizontale. Je recule les mains. Si vous avez des problèmes de tendinite, d'épaule ou de poignet, évidemment, vous passez cette étape. On repart une dernière fois en avant. Alors, je fais un petit ajustement de ma tenue vestimentaire. Voilà, je garde bien les mains au-dessus de chaque, en dessous de chaque épaule. Pour faire les déplacements de profil, on pivote d'abord sur les pointes de pied. Vous stabilisez les talons au sol. Seulement ensuite, vous ouvrez le bras à la verticale. Vous remarquerez que la nuque et la tête restent dans l'alignement de la colonne vertébrale. Doucement, je repose, je pivote sur les pointes de pied. J'inverse. On revient. Je reviens face à mon tapis. J'écarte la main droite en dehors du tapis. Je replace la main sous l'épaule. Écarte la main gauche. Replace la main gauche. Avance la main droite. Recule la main droite. Avance la main gauche. Recule la main gauche. Écarte le pied droit. Replace le pied droit. Écarte le pied gauche. Replace le pied gauche. Doucement. Déposez le coude droit au sol. Déposez le coude gauche. Remontez sur main droite. Remontez sur main gauche. Et j'inverse. Maintenant, je dépose coude gauche. Coude droit. Je stabilise. Je croise la cheville droite sur la cheville gauche. Et on va tenir pendant 50 secondes. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ne lâchez pas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, doucement vous décroisez le pied droit, posez les genoux au sol, et maintenant vous ramenez les fesses sur les talons. Reposez le front au sol, allongez les bras à l'arrière, relâchez vos épaules. Je ramène les mains de chaque côté des genoux. Repoussez le sol. Donc pour les gens qui ont des problèmes de genoux, je rappelle que vous avez la possibilité d'avoir la planche sous les genoux. Si vous avez des problèmes de cheville, lorsqu'on vous demande de vous asseoir sur les chevilles, vous pouvez utiliser le ballon de façon à avoir les fesses qui posent sur le ballon et vous avez moins d'appui sur les chevilles. Alors, une fois qu'on est en position assise, on serre les abdominaux, on remonte doucement. Remarquez bien les fesses, toujours en premier dans le mouvement.
les hanches en avant et remonte. Je reprends la posture, on appuie sur coude, je remonte sur pointe de pied et maintenant je croise cheville gauche sur cheville droite et c'est reparti pour 50 secondes. Respiration pulmonaire, donc on n'utilise pas le bas-ventre. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement vous décroisez, posez genoux au sol et ramenez les fesses sur talons. Allongez les bras à l'arrière, relâchez vos épaules. Ouvrez les yeux, mains de chaque côté des genoux, repoussez le sol. Et d'un mouvement léger et sensuel, vous remontez. Je vais amener le pied droit devant. Je plie le genou. Je pousse les hanches en avant. Amenez les deux mains sur le pied. Relâchez la nuque. Tirez les fesses en arrière. Cherchez à tendre le genou droit. On essaye d'éviter de placer les mains au sol. Doucement, je repousse le bassin en avant. Les abdos sont gainés. Je redresse d'abord mon buste. Puis je recule le tronc et les hanches. Inspirez. C'est reparti en avant, soufflez. Relâchez la nuque, tirez les fesses en arrière. Je reviens en avant, je redresse le buste, ouvrez, reprenez appui sur votre genou d'appui, soulevez, replacez le genou au sol, inversez, avancez le pied gauche. Amenez doucement le bassin en avant. Posez l'abdomen sur la cuisse d'appui. Les orteils sont toujours bien relevés. Ensuite, tirez le bassin en arrière en restant bien toujours aligné. Alors, rester aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pied, le genou dans l'axe de la hanche et mon genou d'appui dans l'axe de mon autre hanche. En aucun cas, pied et genou d'appui doivent être sur le même axe, sur la même ligne. Toujours bien parallèle, à peu près 20 cm d'écart entre les deux, hein, 20 cm de largeur. Je remue le buste en avant, je tire à nouveau le bassin en arrière. Relâchez la nuque, soufflez. Je reviens doucement en avant, les abdominaux gainés, je redresse d'abord mon buste et je reviens en arrière. Soulevez le pied d'appui, le pied est replacé. Position 4 pattes. Dos plein, inspire. Dos rond, soufflé. Plein, inspirez. Alors, on va travailler en bras et jambes asymétriques. Donc, j'allonge la jambe droite. Je me remets dans l'axe et dans le champ de l'écran. Le pied est pointé. Je tends le bras gauche. La nuque est également relâchée. Hein, le visage en direction du tapis. Simultanément et doucement, on plie le genou et le bras. Inspirez. Ouvrez côté, pied flex, soufflez. Doucement, vous repliez. Allongez dans le sens du tapis. On remet bien les hanches à l'horizontale. Le pied pointé vers l'arrière. Inspirez. Accompagnez, soufflez. Les abdos sont gainés. Inspiration pulmonaire. Expirez, soufflez. Doucement plié,
Ah, mais dans le sens du tapis. On repose sur le tapis. Dos plein, inspire. Dos rond, soufflé. Plein, inspiré. J'inverse. Ma jambe gauche, mon bras droit. Pied pointé. Doucement, je plie côté. Ouverture côté. Plié. Sens du tapis. Remettez bien les hanches à l'horizontale. Pliez, inspirez, ouvrez côté, soufflez. Doucement pliez, amenez dans le sens du tapis. Reposez sur le tapis. S'il y a un mouvement que vous ne sentez pas, parce que vous n'êtes pas en forme, parce que vous avez un problème mécanique ou physique, ne le faites pas. Ne prenez pas de risque. Dos plein, inspirez. Dos rond, soufflez. Plein, inspiré. Je passe le bras droit sous le bras gauche. Déposez l'épaule et l'oreille droite sur le tapis. Inspirez, poussez sur la main gauche. Doucement remontez. Replacez la main droite sous l'épaule. J'inverse, inspirez. Le bras gauche passe par en dessous. Je dépose l'épaule et l'oreille au sol. Inspirez, poussez, remontez. Je remonte sur pointe de pied, soulevez, pivotez. Déposez délicatement hanche au sol, remontez, soulevez, reposez. Revenez. Alors maintenant, à nouveau, gainage. Veillez à ce que l'épaule soit à la verticale du coude. Placez main au sol. La jambe supérieure, pied croisé à l'avant. Soulevez hanche du sol. Soulevez bras. Stabilisez. On tient d'abord 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène la main sur la hanche, j'en profite pour ajuster ma tenue vestimentaire. Main sur la hanche, flexion genou poitrine. On tient à nouveau 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, reposez le pied au sol, posez la main, puis descendez, posez la hanche. Placement, épaule coude à la verticale. Main en appui au sol, le pied supérieur posé devant. Mettez bien vos deux pieds à l'horizontale du tapis, perpendiculaire. Soulevez hanche du sol. Bras. Vous gardez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On tient 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Placez main sur hanche, flexion genou poitrine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allongez la jambe, posez le pied, posez la main, posez la hanche. Revenir en position assise. Alors maintenant, si vous avez le ballon, vous allez prendre le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, ce n'est pas grave, vous prenez un coussin ou n'importe quoi d'autre. Le ballon est là pour accompagner le mouvement. Donc là, je vais me mettre en position assise. Le ballon va simplement rouler en haut des genoux. Arrivé en haut des genoux, j'arrondis ici la chaîne dorsale, creusez le ventre, accompagnez délicatement la dépose au sol. Inspirez et doucement vous remontez. Si vous pouvez, avec les genoux pliés, vous pouvez le faire évidemment avec les genoux tendus. Le ballon va aller jusqu'au niveau des pieds. Je me recule pour être dans le champ de la caméra. Donc, pareil, même protocole. À partir des genoux tendus, le ballon va revenir au niveau des genoux.
passez sur le bassin, pliez les, vous serrez les abdominaux, déposez vertèbre après vertèbre. Reposez la tête au sol, inspirez et remontez. Pas d'élan, pas d'à-coups. Pour les plus souples, vous pouvez faire passer le ballon à l'avant des pieds. Inspirez, accompagnez le retour. Vous allez pouvoir placer le ballon entre les genoux. Les pieds sont à la verticale des genoux. Serrez le ballon, donc engagement des muscles internes, les adducteurs, les abdominaux. Et ici, donc je vais retirer un peu mon t-shirt pour vous montrer. Ici, on va travailler sur la rétroversion, antéversion, mais sans forcer sur le creux lombaire. Serrez les abdominaux, soufflez. Relâchez. Lorsque vous engagez la flexion du bas du dos, donc des abdominaux, pensez à engager votre plancher pelvien. Ça veut dire serrer le périnée, serrer le sphincter. Relâchez, inspirez. Vous engagez, vous enroulez et je continue tout doucement de décoller vertèbre après vertèbre le dos. On remonte. Le ballon est toujours serré au niveau des genoux. Je dépose délicatement la partie centrale du dos, puis la partie lombaire, ce qu'on appelle la charnière lombaire et la charnière sacro-lombaire avec le sacrum. On inspire, on reprend une inspiration, on serre le ballon. Engagez le périnée, serrez les fesses, soufflez, montez. On reste en l'air, je soulève le pied droit. Vous remarquerez que les deux cuisses restent à la même hauteur. Délicatement, vous redéposez le pied au sol. Inspirez, changement d'appui, les abdos sont toujours gainés. Expirez. Doucement, vous reposez. Inspirez. Reprends la première jambe, levez, soufflez. Doucement plié, reposez. Deuxième jambe. Doucement plié, reposez. Gardez les fesses contractées et vous descendez doucement les vertèbres dorsales. Terminez par la masse lombaire, puis le sacrum. Je reprends mon ballon, je remonte, je décale un peu mes pieds en avant, inspirez, sans élan, sans à-coups, enroulez la charnière cervicale, le ballon remonte au niveau des genoux et redescendez. On remonte une dernière fois, creuse le ventre, arrondir le dos, soufflez. Inspirez, remontez. Allongez la jambe. Placez le ballon derrière le mollet et la cheville. Délicatement, vous descendez. Dès que la tête touche le sol, toujours sans élan, sans à-coups, remontez. Une deuxième fois. Changement de jambe. Toujours travailler lentement. Ressentez tous vos muscles qui travaillent. Le pilate doit travailler à la fois sur les muscles profonds, les spinaux, mais également sur les muscles superficiels pour garantir votre souplesse. Inspirez, remontez, soufflez. Et on repose au sol. Je reviens face à vous. Inspirez. Allongez le ballon loin devant. Remontez.
toujours en utilisant le ballon. Je prends comme repère la largeur de mon tapis. Je place les talons sur le tapis, les orteils à l'extérieur. Je soulève les fesses et je vais m'asseoir sur le ballon. Je décharge ma colonne vertébrale. Je place les bras à l'intérieur des genoux. Poussez les coudes contre l'intérieur des cuisses. Là, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Notamment, ce mouvement est très bénéfique pour les gens qui souffrent de problèmes, soit au niveau de la sciatique, soit au niveau de la charnière lombaire. On pousse sur les mains, on lève les fesses, on replace main sur genou, dos plein inspire, dos rond soufflé, plein inspiré, rond soufflé, remontez, déroulez. Rotation du bras droit, rotation du bras gauche, étirez en diagonale, étirez en diagonale. Encore une fois, bras droit, bras gauche, droite, gauche, on revient au centre et on referme. Et voilà, bon travail et bon courage.